Bravo les filles. Denis, penses-tu que chez Womanity, on fait bon usage de leur accessoire? Regarde, ils attendaient. C'est un feu d'artifice ce soir. Ça n'a pas de bon sens. Les filles, c'est votre meilleure prestation depuis le début. Bravo. Bravo. L'image qu'on dégage, comment on devient prisonnier de son image à la fin. En plus, il y en a pour les côtés. Vous en avez eu, les côtés. C'est pas... hein? Vous aviez même un miroir de côté. Vous utilisez l'espace, puis ce conflit-là intérieur de soi-même versus l'image qu'on dégage, c'est magnifique. Bravo. Merci, Denis. Kim. Oui, je suis entièrement d'accord. Et je tiens à souligner, les filles, que vous êtes le groupe qui s'est amélioré le plus depuis l'audition jusqu'à maintenant. Je dis ça parce que vous avez travaillé votre synchro, vous avez travaillé votre finition de mouvement, vos idées sont plus claires, bravo. J'ai vraiment aimé l'ambiance années 90, ça c'était clair dès le début, c'était super le fun. C'est sûr que quand on écoute du Salt and Pepper, moi je m'attends à ça, puis c'est bien réussi. Puis j'ai beaucoup aimé aussi, vous avez suivi la musicalité, vous avez changé de plus hip-hop à plus dancehall en tournant les miroirs, on venait voir, c'était très clair, c'était super bien fait. Merci Kim. Laurence. Allô? Les filles, j'ai vu dans la quotidienne que ça faisait pas si longtemps que ça que vous dansiez ensemble. Je sais pas si c'est vrai, c'est vrai. Puis en fait, ce que j'ai vu ce soir, moi, c'est vraiment une équipe unie. Ça paraissait dans vos mouvements. Je trouve que, comme a dit Kim, le synchronisme s'est extrêmement amélioré. Continuez comme ça parce que je pense que votre potentiel est comme infini. J'ai hâte d'en voir plus. Je trouve que l'amplitude de vos mouvements ce soir était particulièrement là. Les mouvements étaient grands, étaient larges. Vous avez dansé d'une façon, je peux-tu dire parfaite? Je vais dire presque parfaite. Merci, nos juges. C'était Womanity! Dansez pour gagner, le direct. Mercredi 19h30 sur V.